Promotion du tourisme culturel, c'est la nouvelle œuvre romanesque que l'écrivain Bourayma Bari a mis sur le marché. La cérémonie officielle de la dédicace est intervenue ce jeudi 22 août 2024 à Ouagadougou, notamment au Sénaza, en présence de plusieurs amis et connaissances de l'auteur. Le contenu de ce livre fait allusion aux analyses et perspectives pour un tourisme compétitif au Burkina Faso. Les différents points, c'est d'abord la présentation du Burkina. On ne peut pas parler dans un livre de tourisme sans d'abord présenter le Burkina Faso dans sa dimension socio-culturelle, économique et politique. Ensuite, il y a l'état des lieux de la pratique du tourisme culturel. Et il y a l'analyse des forces et des faiblesses. En troisième lieu, il y a la proposition, bien sûr, des pistes optimales pour pouvoir développer ce processus. Et bien, comme je l'ai dit, c'est l'occasion pour tout un chacun, pour chacun qui n'a rien, du moins dans les domaines qu'il évolue, comment il y a un bilan de la vie. Et pour nous, en mettant ce livre sur le marché, c'est une façon pour nous de contribuer à améliorer ce secteur. Ce livre met également en lumière les défis majeurs auxquels notre pays est confronté pour s'imposer comme une destination incontournable dans le tourisme. Et ce livre, à ma connaissance, va permettre non seulement de comprendre les potentialités touristiques que nous avons dans notre pays, quels sont, j'allais dire, les cadres normatifs et réglementaires qui encadrent donc le secteur du tourisme et de la culture au Burkina Faso, mais également quelles sont les faiblesses, les insuffisances liées donc à la pratique du tourisme dans notre pays et comment se projeter vers l'avenir avec des actions plus concrètes pour faire du Burkina Faso une destination privilégiée des touristes. Notons que l'ouvrage est composé de 185 pages et a été publié aux éditions Mercury. Le livre est disponible au prix unitaire de 5000 francs CFA. C'est à consommer sans modération. Boima TV, l'autre télé, by Pro Org.